Bonjour tout le monde, ici Orphéa 2012. Je suis donc revenue chez moi un petit peu étonnée d'arriver de commencer la vidéo de nuit. Parce que regardez un petit peu tout ce qu'on a là. Attendez, je prends mon épée et puis on va aller voir un petit peu. Épée, j'ai dit. Est-ce qu'on irait le tuer, lui? Hop. Voilà, mort. Bon, allez, je rentre. C'est pas la peine de tendre la perche pour se faire dégommer la gueule. Hop là. J'ai même pas fermé ici, normal, quoi. Après, je dis que les moutons, les vaches se sauvent, mais... Bon, je vais remettre ça. Normalement, j'ai fait une porte quelque part. Bon, je commence juste et je me couche déjà. Ah, j'étais crevé. Alors, les arbres ne se démontent pas tout seuls. Là-haut, ça pousse pas. C'est ça que je voulais aller voir. Est-ce que là-haut, l'arbre pousse? Alors oui, pourquoi il fait nuit, là, quand je commence à... Ah, mince. Quand je commence à filmer, c'est pour la simple et bonne raison que je suis toujours à la recherche de mes petites vaches que j'ai perdues. Ah ben là, il n'y a pas d'arbre, rien du tout. Tu m'étonnes que ça pousse pas. Attends, on va mettre ça. Banane. Hop là. Alors on va remettre un pommier, peut-être que ça va pousser quand même. Je crois qu'il faut pas que je creuse plus sous mes pieds. Donc, dans l'épisode précédent, nous avons été visiter la jarre où il y avait de la neige. Oh, stupide, hein, c'est pas possible. Voilà. Et là, aujourd'hui, nous allons aller visiter autre chose. Déjà, je vais voir ce que j'ai comme... Oh, merde, il y a ça d'allumer, ça sert à rien. Miaou, 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 miaou. Ça, j'ai pas besoin. Ça non plus. Ça non plus. Ça non plus. Un petit peu du manger quand même, parce que je le vaux bien. De la cobble, j'ai ce qu'il faut. C'est nickel. La pelle, je m'en servirai pas. Ça non plus. La pioche. Est-ce que je pourrais plutôt gérer une pioche en pierre? Voilà, ça c'est fait. Ça et ça. Donc toute la cobble que j'ai sur moi, c'est la cobble que j'ai récupérée dans la jarre précédente où nous étions installés. Attends. Ouais, j'ai encore ça. C'est bon. Oui, je parle un peu toute seule. Je suis un petit peu speed là parce que... Bah, je sais pas pourquoi, mais je suis un peu speed quand même. Faut que je me calme. Voilà, ça va aller. Nous allons donc aller visiter une nouvelle bottle. Bon, on va passer par là parce qu'il me semble que c'est sur la même ligne, à peu de choses près. Ouais. Hop. Et hop. Et je vais pas m'appuyer sur un truc en verre. Donc on est reparti pour un petit passage en sneak. Et on va aller se promener. Là, la bouteille en pierre, parce qu'elle m'intrigue un petit peu. Hop là. Hop. On peut pas aller plus vite. Si, certainement, mais je suis pas douée, quoi. Hop. On va aller se promener dans la bouteille en pierre parce que je me demande bien ce qu'il y a dedans. Ça m'intrigue. Donc, voilà. Aucun rapport, mais le temps que je fais ça, on peut jacter un peu. Je tourne les épisodes rapidement, même si je les diffuse pas très rapidement. Pour la simple et bonne raison, pardon, je crois que je tombais. Ah ouh. Que j'ai pas trop envie qu'on me dévoile la map. Je sais que c'est une map ancienne. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui l'a fait sur YouTube. Et même sur les autres distributeurs de vidéos. Mais moi, je la connais pas du tout. J'ai jamais regardé les vidéos. Comme je vous disais, j'ai regardé le début des épisodes de Mister Elvilia, donc le début du 1, et puis un tout début du 2, et puis le 3, le temps de marquer j'aime. Et c'est tout.
Je connais pas et je veux garder la fraîcheur de la découverte de la map. Donc, tout est tourné très très en avance et... Et puis c'est tout. Putain, ça fait peur le sneak quand même. Ah! Ah, j'ai un bug de clavier, je crois. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Peut-être je vais mourir là. Non, 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 non. L'idée de me mettre en sneak me terrifie énormément. Ça y est, je suis renfoncée dans mon fauteuil de bureau, c'est juste une horreur. Le pauvre, il va décéder pendant le tournage de cette série. Oh putain. Oh la vache. Oh mon Dieu, c'est en... Oh non! C'est en pierre moussue, bon sang! Ah, ok. Oh, mais tu... Oh la vache. Alors, on entend des zombies. On entend des zombies. On entend plein de... Oh purée. Oh là là, taisez-vous les zombies, c'est pas possible. Mon Dieu. Oh la vache. Pour sauter, je fais ça. Je me casse à moitié la gueule, mais c'est pas grave. On va trouver. Ah! Purée. Waouh. Oh la vache! Direct là comme ça. Ah, il passe à travers. Bon, on va tuer un petit peu là, histoire d'être un peu au calme, parce que là, ça fait trop de bruit. Bah oui, vas-y, pète la torche, t'as raison. Allez. Viens là, toi, avec ton habit là. T'es beau comme un cœur, mais faut pas déconner. Ah bah. Et il y a une torche de redstone ici, c'est bizarre. Il va tomber! Attends. Oh! Oh mon Dieu! Pas ouf, pas ouf, pas ouf, pas ouf, pas ouf, pas ouf, pas ouf. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Que j'ai peur. Non, c'est l'autre. Attends, je vais pas passer par en haut. Ah, ben je crois qu'il y a des araignées là. Je sais pas si vous savez. Ah, merde. Putain, je suis morte. Oh non, c'est trop dur ça! Ressuscité, je suis où? Qu'est-ce que je fous là? Ah purée! Attends, c'est trop classe! Et qu'est-ce que je fais ici? Ah, c'était marqué quoi? Le lit a été détruit par un monstre. Qu'est-ce que ce bordel? Il est là, mon lit. Et comment je descends, moi, maintenant? Bon, je viens de pousser un gueulement, mon homme m'a demandé qu'est-ce qui se passe? Rien, rien, chérie. Waouh. Ouais. Ouais. Hop là. Je n'ai pas vu d'autres solutions plus simples. Voilà quoi. Non mais voilà. J'ai pas trop envie d'y retourner maintenant quoi. Parce qu'en fait l'araignée elle est passée au travers. Donc du coup c'est comme ça qu'elle a pu me pousser. Oh, mon Dieu, vous savez quoi? J'ai eu tellement peur que j'ai mal aux dents. C'est crétin, hein?
Je vais reprendre ma pioche comme ça. C'est con, j'étais descendue avec un petit peu de charbon. Avec un petit peu de bois aussi. Enfin, descendue partie avec. Aïe, je vous jure, j'ai mal aux dents. J'adorais mon homme. Quoi? Sérieux, mon chéri? C'est ta femme qui joue au Minecraft. Même pas peur. Je me refais une paire de torches, en fait, je sais même pas pourquoi. On va reprendre ça. Ce qui est assez con, enfin bête, pardon, c'est que il n'y a même pas de coffre. Ah, les moutons sont sortis déjà, c'est bien. On va faire un truc cool, hein. On va descendre dans ma mine optimisée n'importe comment. Oh oui, c'est les moutons qui mangent l'herbe, ils font un bruit quand ils mangent, les pauvres bêtes. Et je vais aller voir si on trouve les vaches, hein. Ça sera déjà bien. Et puis, ben, refaire un stock de cobble parce que l'air n'en rien, ben voilà. Ben, tiens, il y a du fer. J'étais parti avec un seau d'eau. Non, c'est pas. Je me rappelle plus. J'espère que non, que j'ai pas été bête à ce point-là. Puis je vais aller me recoucher dans mon lit parce que tout le monde a vu que je dormais dans mon lit et que je ne suis pas revenue dans mon lit. Je sais pas pourquoi. J'entends pas la vache. Hop. Normalement, j'ai des vaches quelque part, donc je devrais trouver les vaches. Il va faire bientôt nuit. Je reprends le fer, comme ça je vais mettre tout à fondre et puis je me referai un seau d'eau. Et je crois qu'on va pas retourner là-bas. Quand je serai motivée, quoi. Mais là, c'est con parce qu'en fait, c'est juste parce que l'araignée est passée au travers. Oh, ben, hé, moi j'ai cherché du fer pendant je sais pas combien de temps là-dedans et je trouvais rien du tout. Et il y en a plein ici. Voilà. Ah bah encore. Allez, n'en jetez plus, la cour est pleine. Je remonte. Et vous là, les araignées de pourri là. Je sais même pas si le spawn il marche encore. Oh, on s'en fout, allez, ras-le-bol. Oh les araignées, j'aime pas ça. Enfin, dans la vraie vie, ça me gêne pas, une petite araignée. Bah. Allez, je me couche, je me remets de mes émotions. Dis donc, je peux me coucher dans mon lit? Merci. Bon ben mon lit fonctionne alors, qu'est-ce que c'était que ce bazar? Moi je sais pas. Vous avez faim les petits moutons? Attendez, je vais vous récolter un petit peu de blé. Hop là. Bon ben voilà, au moins ça sera un épisode où il y aura eu du suspense, de la mort, de la douleur, des cris. C'est surtout ça, je pense que. J'espère que vous avez géré votre son avant, parce que là, j'ai gueulé un peu fort. Tiens, viens manger, toi, petit mouton, puis toi aussi. Et puis toi aussi, petit mouton qui est devenu grand. Voilà, c'est nickel, il a grandi, il est beau comme tout. Je ferme jamais la porte, hein. Faudrait que je le fasse, mais voilà, quoi. Bon, ben, cette bottle-là, on va peut-être laisser tomber, hein. Moi, j'ai plus trop envie d'y aller. Je voulais aller constater un truc, c'est qu'il n'y a personne qui est revenu ici. C'est toujours désert, donc je me ferai apparaître les animaux qui étaient là, à savoir on avait des champimeux. Là, ça, j'ai, ça, celui-là, je l'ai pas fait. Moi, j'ai pas de hache. On avait les champimeux, des poules, des chiens. Donc les moutons, je les ai, les vaches aussi, et on devait avoir des cochons, parce que c'est quand même un animal de Minecraft. Il me semble qu'il y avait des cochons. N'y a plus trop d'animaux dans la bouteille d'eau. Bon, bref. Je vais mettre à fondre mon fer. Hop. Tout le monde a remarqué que j'étais reparti avec mon casque en or, hein, que je n'ai donc plus. Voilà. Les graines, ça, un arbre, c'est pas très utile. Oh bah si, il est bien là, de toute manière, ça gêne pas. Je
Je suis en train de réfléchir et là je me fais peur toute seule là parce que c'est compliqué de réfléchir là. Après une mort comme ça, c'est un petit peu difficile. Ah, le mouton effrayant! Bon, voilà. J'ai 20 torches. Bon. Si on allait visiter la bottle qui se trouve là, comment je vais faire pour y aller de façon pratique? Parce que là, c'est bien, j'ai fait des champs. Oh, hé, je vais peut-être pas partir avec ma pioche en diamant quand même. Personne n'a entendu une araignée? Non, c'est que moi. J'ai du fer, j'en ai plus des masses. Hein. Je suis un petit peu perturbée de ma mort stupide. Ouais, c'est pas grave, je vais partir avec une pioche comme ça. Nous allons donc passer comme ça. J'aurai jamais assez de cobble. Surtout, il va falloir que je ferme derrière moi. Puis de la terre, j'en ai plus non plus. Oh purée, quel malheur, mais quel malheur, mais quel malheur. Bon, ben là, il n'y a pas moyen de moyenner, je peux pas y aller maintenant. Faut que j'aille rechercher de la cobble en sous-sol ou alors que j'attende mon générateur de cobble, mais bon, ça va être un peu long. Les moutons font un bruit d'enfer, ils m'énervent. Ah merde. En fait, c'est bien un générateur de cobble quand t'as rien d'autre, quoi. Tu peux pas faire autrement. Ah bah oui, c'est con ce que je fais. Tu peux pas faire autrement, bah tu te fais un générateur de cobble et puis basta, bon dimanche, mais là. C'est un petit peu longuet. Oh mais. Étant donné qu'on a le sol en cobble, je vais continuer à creuser ça. Oh la vache. Je vois la pierre moussue, du coup je repense aux araignées qui viennent de me dézinguer. Je me sentais pas. Voilà, je me voyais pas partir là comme ça. Et puis d'un coup d'un seul, eh bien si. Bon, et eh ben je sais pas combien de temps a duré cet épisode, je pense pas très longtemps. On va peut-être s'arrêter là, parce que le temps que je creuse, ça va pas être passionnant. Merde! Alors déjà, j'ai pas beaucoup de cobble et j'en utilise pour me faire un mur. Super. Bah tiens, encore du fer. Oh, mais... Donc c'est trop fort, c'est tout de suite. C'est creusé n'importe comment, faut dire, hein. Oui. Donc je vais reprendre le fer qu'on a là. Et puis je vais attendre demain matin. Je vais faire toute une nuit de. Enfin, je vais faire du creusage, voilà. Et puis on se retrouve demain matin. Et aux aurores, je pars à la recherche du biome champignon qui nous attend dans la bouteille là-bas. Oh tiens, un diamant. Heureusement que je me suis tournée. Oh, oh. Donc je sais pas si l'épisode a été long ou court, je n'ai même pas regardé. Mais en attendant, maintenant je creuse et on se retrouve pour aller sur le biome champignon en espérant que je ne meurs pas. Allez, merci tout le monde et à la prochaine, à plus.